Mercredi 22 mars 2023, c'est le commencement de la trêve internationale. Kylian Mbappé, c'est nouveau capitaine équipe française là. De l'autre côté, Dukes Nazo et coéquipier Lio déjà en préparation pour deux matchs amicaux que Haïti pourra jouer. Antoine Griezmann déçu parce qu'il n'est pas capitaine équipe la France là. Alvaro Morata, c'est nouveau capitaine équipe espagnole là. Chita, moi pral ba ou plus détails. Bonjour, bonsoir, comment ou yé? Moun ka pale a, c'est Chake Joseph. Moi dis bienvenue pour une nouvelle sortie. Avant de démarrer avec info yo, m'a demandé s'il vous plaît, abonnez avec page là si vous pouvez faire ça. Activez cloche notification, mettez-le sous tout pour pas rater aucune vidéo. Quittez un like en bas vidéo ça. Dites l'impression dans un commentaire. Et by vidéo ça plusieurs partages. On démarre avec information yo. Mercredi 22 mars 2023, c'est commencement journée FIFA. Non seulement pour aller match amical et pour aller match qualification Coupe d'Europe 2024. Dans match amical, mercredi Népal Laos, Myanmar Inde, Irlande Lettonie, Honduras Salvador. Kylian Mbappé, c'est nouveau capitaine équipe française là. Et Mbappé, c'est superstar équipe la France là. De l'autre côté, Dukes Nazo et coéquipier Lio déjà en préparation en République Dominicaine pour deux matchs amicaux que sélection haïtienne là pourra jouer. 25 mars Haïti face à Montserrat, 28 mars Haïti face à Bermude. Antoine Griezmann a réfléchi pour le mettre fin dans la carrière internationale. Il est déçu et choqué parce qu'il n'est pas nommé comme nouveau capitaine équipe française là. Alors qu'elle était rêvé pour te brasser jusqu'à la Coupe d'Europe 2024 là. Alvaro Morata nommé comme nouveau capitaine équipe espagnole là et Dani Carvajal deuxième capitaine. L'autre information, Thierry Henry serait intéressé par le poste de sélectionneur des États-Unis. Angel Di Maria déclaré sous compte Instagram li qu'on y a 7 ans pour me porter pi bel maillot Coupe du Monde là et profiter Coupe du Monde là avec tout Argentin yo. Officiel, Erling Haaland forfait pour deux prochains matchs amicaux. Pays Norvège pral jouer. Haaland quitte équipe Norvège là avec une blessure à l'aine. Dans le championnat chinois, yon joué marqué yon goal et l'idée voulait célébrer le temps pour Cristiano. Si donc ça mal passé pour lui, lui tombé mal, et bien c'est 4 portés qui viennent prendre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.